Hello guys, non pas mon conseil Johnson Napoléon. Ah, moi quoi qu'on non ça qu'on y là. Anyway, jodi a m'bral parler avec ou d'un bagage qui est extrêmement important. M'connais ou même qui en Haïti, ou même qui se nomme Bahamas, Turks and Caicos, Chili, Brésil, c'est une information que vous content pour qu'on ait non même. Nan, sous son parent yon moun ki nan pays ça ou comme sa cité à tout. M'connais que vous content que m'bral parler avec aujourd'hui à deux students. Visa étudiant. Yep. Qui gens pour jouer un visa pour venir étudier aux États-Unis. Premièrement, bon tout qui type de visa qui gagne pour capable venir aux États-Unis, sur les web appliquer pour visa ça ou capable prendre qui gens pour appliquer. Ou gagne premier type là c'est le papa ou bien ça d'aller maman pemba visa étudiant. Mais ça des mots changer monsieur. Eh bien, c'est lui qui est le F1. Visa F1. Visa ça, ou qu'à venir aux États-Unis pour apprendre un programme de 0 jusqu'à X. Tout pendant l'école, full time, et vous avez l'argent pour prouver que vous avez payé frais l'école ici aux États-Unis, et mon carité son visa étudiant. Et gagner plusieurs cas, côté sous gagner assez l'argent pour prouver qu'on a payé living expense, ça veut dire l'argent pour payer caille, payer machine, payer assurance, pour petit ou avec famille, ou son garçon, petit ou à madame, ou son femme, petit ou à mari, ou vini, et bien y a bon un visa F2 pour moun sa yo capable de venir ici étudier aux États-Unis. C'est vrai, monsieur? Ok, good. Et ça, bel là encore, sous un visa F1 en main aux États-Unis, gen des programmes. Qu'on capable choisir pour là-dedans, yo capable ba ou sore les OPT qui c'est un programme côté bon possibilité pour un numéro social sécurité avec 4 travail pour travail là-dedans. So, sou c'est un monde qui c'est et sous visa étudiant yé ici aux États-Unis, m'a pas encouragé ou et vérifier avec l'école ou qui j'ai capable bon OPT. En parlant de visa étudiant. Guys, combien étudiants ici on pense qui cite aux États-Unis sous visa étudiant? 10 000, 20 000, 15 000, 30 000, 2 000, 1 000, 1500. Dernière fois, je contrôle les tu as 972 étudiants haïtiens qui sont visa cap étudier aux États-Unis. C'est bon, bah, possible. Pendant ce temps, chargé pays qui a 30 000, la Chine y a environ 500 000 personnes qui ont étudié ici sous visa étudiant. Donc, je m'encourage, ouais, qui sont capables de faire mesure pour capable appliquer. Deuxième type de visa étudiant gagné, c'est M1. M1 visa, son visa que tu as étudié. Donc, programme de 12 mois à 0, ou less. Ça veut dire, sous son équipe, vous voulez apprendre truck driving, son visa M1 ou bas. Si vous voulez étudier pour son pilote, c'est M1 ou bas. Si vous voulez étudier pour ce monde qui plomberie et électricité, il y a bon visa M1. Ou bien, si vous voulez étudier LPN programme, vous avez un cas de collège, sous son nurse déjà, sous son infirmière déjà en Haïti. Et bien, ou besoin de passer test NCLEX là ici, et bien, Azur College a bon visa M1 pour le préparer dans 6 mois et pour passer test l'État au lieu que vous obtenez l'État haïtien pour passer test. Ça, on l'autre conversation, on l'a arrêté de parler sous ça encore. So, et même, deuxième, l'autre, troisième, l'autre type de visa, c'est ça, on J1. J1 Student Visa ou bien J1 Visa. Ça, c'est ou même, par exemple, sous nom l'école en Haïti. Eh bien, l'école a une relation avec l'autre école, tant qu'à Azur College ici, ou bien une relation avec des business, eh bien, vous êtes capable de voyer ou faire stage. Vous voyez? Ça, c'est stage, ça, c'est une profession 12 mois au moins, ça, c'est une profession, par exemple, vous pouvez venir ici, vous voulez venir docteur, et puis son F1 visa étudiant ou pas. Donc, ça, c'est trois gros types de visa étudiant qu'on gagne. Qui j'en peux appliquer pour un visa étudiant sous ce monde qui en Haïti? Premier bagage ou besoin. Premier bagage ou besoin qu'on est, coût que y a pour fouiller ici, c'est en anglais lié. So par conséquent, ou doit gagner English ou sou. Ou doit gagner bombette anglais ou sou. Et bien alors, ou vini, pas dit bon, I don't speak in. Non. C'est pour comprendre anglais ou parler anglais pour capable gagner, appliquer pour visa. Et meilleure façon, yon prouve ou une série de tests anglais, yon qui plus populaire gagner, lié le TOEFL. T-O-I-F-L. Il faut qu'on soit capable de passer ce test-là
Et bon bon si secret dans test offert là pas gagne un score qui déterminé pour passer test offert là c'est l'école qu'on choisit qui déterminer qui score la prendre en main. Par exemple à Azur collège nous déterminer c'est 51 nous prend mais il y a l'autre école qui prend 75 qui va jusqu'à 80 so l'essentiel à ce qu'on communique avec l'école où pour aller pour capable et compter score offert que demandé. Deuxième autre gros bagage qui exigé pour un visa étudiant. Et mais c'est le fait que vous mandez, il faut que vous gagnez l'argent. Yep, il faut que vous gagnez l'argent. Par exemple, si c'est dans ma amie de collège, vous voyez un petit monde vient de l'école, ma amie de demander que vous gagnez 31 000 $ la banque. Il faut que vous prouvez que vous gagnez 31 000 $ la banque. Mais si c'est dans un jour où le collège va venir, et bien nous demandez, il faut que vous gagnez 18 500 $. Pour qui ça? Nous connaissons ta situation nous économiquement, so nous mettons sure que le programme nous fit un prix. Le programme coûte 12 500 $ par année dans Azur Collège, mais l'État est surtout demandé pour qu'on capable montrer qu'on a au moins 6 000 $ pour cost of living. Ça veut dire si on est malade, si on a la bouillon tout, on a un petit en vente ici pour capable évacuer ou bien mener l'hôpital, il faut qu'on prouve qu'on a l'argent. Mais il y a une belle bagarre qui a l'argent, ça n'a pas nécessairement besoin de compte en banque. Les gens sont tonton, son famille aux États-Unis qui voient lettre de banque en bail pour prouver qu'il a l'argent ça. Mais il faut le voir une lettre qui pour dire que l'argent ça c'est pour rouler, pour payer pour l'éducation, l'or capable, l'or vinicite. Et au pas qu'à demander un visa étudiant pour vinicite pour parler l'école. Là, on a une grosse difficulté, on ne doit pas qu'à jamais venir légal ici encore aux États-Unis. Et comme vous voulez, c'est pour un bagage que m'encourage pour ta faire. Now. Visa étudiant parle avec vous, faut que vous parlez, montre vous parlez anglais. Il y a plusieurs autres tests, mais tests ça est beaucoup important. Gagnez un website ets.gov, oh non, .org, ets.org, oh, avant de vous je dis ORG. C'est là où aller pour, il y a beaucoup de tests, préparation qu'ils ont pour préparer. Et of course, youtube.com. A bon une bonne possibilité pour passer de ça. Et dernier bagage que m'a dit dans visa étudiant, c'est pas seulement l'école université yo bay visa étudiant pour venir, sou bon ti moun nou ou besoin voyer vin faire maternelle ici et kindergarten ici et yo bay visa tout pour ti moun sa yo capable venir. Dans prochaine vidéo m'a montrer website koto capable chercher une école pour venir, c'est pas c'est la Azur collège qui bay visa étudiant. M'a montre toute information ça m'a baigné sans cacher l'ombrique avec vous une façon à ce que vous prendre décision pour changer la vie soit venir étudier aux États-Unis qui gens capable venir étudier mais montre qui l'école qui offre plusieurs programmes nous même nous prenons étudier pour programme nursing seulement mais si vous besoin venir étudier agriculture ou besoin venir étudier comptabilité business administration et monter cheval whatever piloter avion et même m'a montre qui gens capable gain website ça chercher information ça. Non, pas mon conseil Johnson Napoléon, je suis content de partager l'information avec vous. Mais rendez mon service tout, faites deux bagages pour moi. Like page moi pour me capable de plus de monde, pour me faire plus d'informations chaque temps update pour capable de. Et en plus de ça, tout partager l'information pour moi, pour l'autre monde capable de voir l'information pour qu'on qui est capable de venir étudier aux États-Unis, transformer la vie. Moi, mon pile, donne-moi pour la prochaine vidéo, n'a pas que numéro de visa sous lui. Pour capable conduire ça pour faire. Non!